nous découvrons juste une petite partie du réaménagement interne de la médiathèque. Mais cet aperçu va quand même nous permettre d'imaginer ce que va nous réserver ce bel outil culturel en septembre prochain lorsqu'il rouvrira les portes, à savoir un espace centré sur les usagers, un accueil repensé et surtout une accessibilité renforcée. Cela va être un véritable lieu, un tiers-lieu de vie, d'échange, où les personnes pourront venir dans un mobilier très confortable et très design pour travailler, pour étudier ou tout simplement pour passer un bon moment en famille. Nous avons voulu accompagner cette métamorphose en donnant un nom à la médiathèque, puisque jusqu'à présent, la médiathèque n'avait pas de nom. Nous avons associé pour cela les usagers. Un sondage a été lancé sur Internet et c'est le choix Espace Média qui a recueilli le plus de voix. Ce nom incarne tout à fait l'architecture de ce bâtiment, son ouverture, mais aussi son offre culturelle et sa polyvalence. Je n'ai plus qu'à donner rendez-vous à tous les amoureux donc, de la médiathèque pour venir découvrir ce nouvel espace avec de belles surprises tout au long de la journée. Les travaux prennent forme, enfin se terminent puisqu'ils finiront le mi-juillet et en même temps nous accueillons le nouveau mobilier qui a été installé pour partie au rez-de-chaussée et nous avons en même temps une multi-activité puisque nous réinstallons les collections qui étaient stockées depuis 8 mois maintenant dans un local technique. Hâte déjà de voir ce que devient le projet qu'on a travaillé sur papier, de le voir prendre forme, de s'assurer qu'il répond bien aux attentes et qu'il répondra après aux attentes du public. Et hâte, oui, de retrouver le public et de réouvrir ce bâtiment qui reprenne vraiment vie, quoi.